Je m'en tiens à ce que j'ai entendu, parce que j'ai écouté aussi le propos du ministre qui a dit que la présence de l'individu était avérée à Villejuif. Maintenant, présence, encore une fois, je ne sais pas comment il faut interpréter ce mot, puisque son domicile n'est pas ici. Donc sa présence peut-être au moment des faits, quand on a découvert la jeune femme assassinée. S'il est avéré qu'effectivement il aurait pour cible des églises de Villejuif, on peut s'étonner qu'il n'y ait aucun dispositif de sécurité mis en place par le gouvernement près des églises.